C'était le Red Star qui en profitait. Dans cette lutte acharnée au podium, les Odoniens veulent profiter du nul de son voisin parisien sur la pelouse du Poiré-sur-Vie. Vincent Planté s'y emploie d'abord, avant d'assister à une action de grande classe à deux, entre Slity et Belvito, conclue du gauche par ce dernier. 11e minute, le Red Star mène 1-0, choix payant pour Sébastien Robert qui avait choisi de titulariser Belvito plutôt que Bellion et le fait en pointe. Le match est ouvert, le Poiré peut égaliser mais Gbohou préfère le centre à la frappe. Le Red Star, lui, ne manque pas d'efficacité, simplement de tempo. Belvito est hors-jeu sur cette action. Pas de deuxième but cette saison pour l'ancien cristolien. 33e minute à présent, corner pour les Vendéens. Loïc Dufaux n'est pas attaqué, frappe de loin. Vincent Planté est encore à la parade. Les Odoniens sont loin d'être à l'abri. Marie cafouille, Papsard récupère mais ne cadre pas. L'efficacité, le problème des Vendéens, mais pas de leurs adversaires. Passeur sur le premier but, Slity y va seul et permet au Red Star de marquer ce deuxième but si important. Les Bleus tentent un dernier sursaut, mais Vincent Planté est impeccable encore sur sa ligne. Le dernier but de la rencontre sera pour les Franciliens. Slity, de sa moitié de terrain, est encore à la baguette. Bezouyen n'est pas signalé en position de hors-jeu. Les défenseurs se sont arrêtés. Le centre est mal renvoyé. Makedjouf est en embuscade pour porter le score à 3-0. Et le Red Star sur le podium